Ils m'avaient pas dit que le studio il était aussi loin. Ils se foutent de ma gueule. Ils se foutent de ma gueule. Bon, en tout cas, bonjour et bienvenue dans Passion Autosport du Var pour cette nouvelle saison, ce nouveau reportage. Aujourd'hui, c'est un grand jour, c'est l'inauguration de notre studio. On va y recevoir une partie de nos invités tout au long de la saison, pas que sur ce studio, mais aussi en extérieur, bien sûr. Et soyez un peu indulgents parce que ben, pour nous, c'est une première de faire ça en trio. Alors, il faut qu'on trouve nos repères, qu'on ait nos marques, mais ça va se passer pour le mieux. Donc, je me tourne de temps en temps, vous inquiétez pas, c'est juste au cas où il y aura un train. Si vous en voyez un, vous criez, on ne sait jamais. Ça, j'aimerais bien quand même faire ce premier reportage dans de bonnes conditions. En tout cas, c'est un grand plaisir de vous y recevoir, de vous montrer ces locaux, de vous présenter aujourd'hui notre invité, Christophe. Et on va laisser la place à François qui va nous faire un petit historique de la marque qui va suivre. Et je vous laisse découvrir tout ça dans Passion Autosport du Var. Moi, je vais au studio. En tout cas, ils sont bien foutus de moi parce que ça m'a l'air bien loin. François ? Laurent ? Bonjour à vous, on démarre cette année sur Passion Autosport du Var avec une belle Italienne. Salut Mathieu, bonjour à tous. Et on vous a déjà souhaité les vœux, donc on ne va pas vous les souhaiter, mais enfin on est reparti pour un an de reportage. Aujourd'hui, on va parler d'une marque qui me tient à cœur, parce qu'en fait, c'est d'abord une marque italienne. Donc chez les Italiens, il y a de la passion, chez les Italiens, il y a des ingénieurs incroyables. Et là, bon, c'est une famille, vous avez reconnu, à côté, on a une Lancia. Alors effectivement, Lancia a un gros passé sportif incroyable. Cette marque a commencé à travailler sur des voitures de rallye. Cette marque a travaillé sur des Formule 1. Et juste pour information, là où c'est quand même très amusant, c'est quand les Lancia de Formule 1 sont sortis, c'est des voitures très en avance, ils n'avaient pas les moyens pour les exploiter et ils ont vendu leur matériel. Ils ont vendu leur matériel à quelqu'un qui s'appelle Enzo Ferrari et ces Ferrari, les Lancia rebadgés, ont été championnes du monde avec Juan Manuel Fangio. Bon, le pilote qui a aligné les titres de champion du monde de Formule 1 pendant 4 à 5 ans, les Lancia, c'est vraiment une tradition sportive qui est vraiment étonnante. Alors, aujourd'hui, notre invité, c'est une Lancia Fulvia, c'est un coupé magnifique, c'est une voiture très simple avec un dessin, comme toutes les Lancia, c'est toujours très élégant, c'est très bien construit. Et en plus de ça, si on regarde dessous, parce que là les dessus sont très sympas, dessous c'est très rock'n'roll, parce qu'en fait de ce coupé, ils ont sorti une auto de course extrêmement efficace, qui était légère, qui motrissait l'enfer, et c'était une très bonne auto qui a été championne du monde des rallyes en 1972. Figurez-vous que nos berlinettes alpines, parce qu'on est français quand même, nos berlinettes n'ont jamais réussi à suivre le rythme des Lancia Fulvia 1600 HF de l'usine. Elles se sont fait battre, nos berlinettes, au Monte Carlo. Donc, ces Italiens, avec leur petite traction avant, avec un moteur très étroit, c'est un V à 13 degrés, c'est quelque chose de très étonnant. Le moteur est en porte-à-faux, l'architecture elle est super simple, c'est tout tourné vers la légèreté et l'efficacité. Eh bien, ces gens-là ont gagné le rallye d'Angleterre. Imaginez ça, cette petite auto, elle est allée battre les berlinettes et les escortes en Angleterre avec Sandro Munari, qui était le pilote de l'époque, pilote emblématique, qu'on verra après sur les fameuses Stratos, qui ont été, là encore, une page d'histoire du rallye automobile. Cette Fulvia, elle a existé en plusieurs versions. On a eu la 1200, on a eu la 1300, on a eu la 1600. Bon, le 1300 faisait déjà un petit peu plus de 90 chevaux. C'était déjà une voiture légère, très maniable et surtout qui motrissait beaucoup. Et la 1600 faisait, je crois que c'est 115 chevaux. C'était une bonne auto, c'était très élégant, c'était vraiment très sympa. Et ils ont fait évoluer la technique, très peu de modifs sur les trains, mais ils ont travaillé le moteur. Ils ont sorti 160 chevaux pour la version Fanalone. La Fanalone, elle avait 4 phares comme celle-là aujourd'hui. Par contre, les phares à l'intérieur étaient plus gros, c'était vraiment la base de la voiture de rallye. Alors, tous les amateurs d'automobiles connaissent les Lancia et il y a la signature des Lancia sportives, c'est le HF. Alors HF, pourquoi ? L'histoire est amusante, c'est Monsieur Lancia qui, dans les années 50, décide que ces Lancia sportives, elles auront un badge. Comme chez nous, la R8, c'était Gordini, chez eux, la Lancia, c'était HF. Alors HF, ça veut dire quoi ? HF, c'est High Fidelity, haute fidélité. Haute fidélité, pourquoi ? C'est la robustesse, c'est la puissance. Eh bien, il y a un animal qui s'approche de tout ça, c'est l'éléphant. Et ce n'est pas un hasard si on trouve les éléphants sur le sigle HF. Les éléphants, en fait,
Monsieur Lancia avait adoré le passage des Alpes par Attila à l'époque. Attila qui était arrivé avec des éléphants, justement, tout le monde avait dit c'est impossible, un éléphant dans la neige, ça ne marchera pas. Et finalement, il a franchi les Alpes avec panache. Ça ne les a pas ralentis, l'éléphant, il passait les frontières, il passait les montagnes, il passait les éléments, il passait la neige. Et toutes les Lancia portent ces petits éléphants. Le sigle HF avec les éléphants, c'était prémonitoire, puisque dans les années 50, ils ont décidé de cette griffe. Et finalement, en 72, ils ont gagné le Monte Carlo, donc ils ont bien franchi les Alpes avec ces Lancia qui ont rencontré des victoires extraordinaires. Alors Lancia, c'était évidemment la Fulvia, celle qu'on a aujourd'hui. Après, il y a eu une lignée incroyable avec des succès extraordinaires. Il y a eu la Stratos qui est un monument. Il y a eu la 037. Il y a eu aussi la Delta S4. D'ailleurs, j'en profite pour passer le bonjour à mon ami Geoffrey qui lui en a une chez lui. Il faudra qu'un jour on traite quelque chose pour en parler sur Passion Autosport du Var. Et puis, bon, les Lancia, après, il y a eu la Delta qui a été 7 fois championne du monde des rallyes, ce qui est incroyable. Donc là, on a vraiment une tradition sportive et d'élégance et de technique avec cette marque extraordinaire. Évidemment, Lancia a disparu. On a confié le devenir de cette marque au service marketing de chez Fiat, qui n'a rien trouvé de mieux que d'essayer d'en faire une marque luxueuse. Évidemment, ça n'a pas marché. Les Lancia, elles sont dans le cœur de tous les sportifs. On n'en trouve plus sur le marché. Je pense que ça a été une grosse erreur de chez Fiat de ne plus confier la branche sportive et rallye à Lancia. Et à chaque fois que vous voyez une Delta Intégrale, à chaque fois qu'on voit une Fulvia, à chaque fois qu'on voit une 037, c'est des belles autos. Voilà, on a fait le tour un peu de la question de la Lancia. Je suis enthousiaste parce que j'ai roulé en Intégrale, donc c'est vraiment une marque qu'on partage et qu'on respire dès qu'on en a une. Et là, aujourd'hui, Mathieu va avoir à nous présenter le propriétaire de cette belle Fulvia 1300S, une auto parfaite que j'aime beaucoup avec ce bleu marine très très élégant. Vous allez voir, c'est une belle auto. Mathieu, à toi. Salut Christophe. Bonjour Mathieu. Bienvenue dans Passion Autosport du Var. Je t'en prie, installe-toi. Merci, très honoré d'inaugurer ces nouveaux studios. Alors aujourd'hui, on est là pour parler Lancia. Donc toi, tu as la Fulvia, un modèle super d'ailleurs que j'affectionne beaucoup. Je ne vais pas rentrer en détail parce que moi j'en ai gardé de mauvais souvenirs, j'en ai acheté une et ça s'est très mal passé avec le vendeur, mais c'est une voiture que j'adore. Alors ça fait 10 ans que tu possèdes ce véhicule, qu'est-ce qui t'a poussé vers une petite italienne et notamment la Lancia Fulvia ? Ben, en fin de compte, tout petit déjà, j'avais déjà la miniature et je rêvais d'avoir cette voiture en vrai. Et un jour l'opportunité s'est présentée, j'ai acheté ce véhicule et depuis j'en suis totalement amoureux. C'est vraiment une voiture qui est facile à conduire, qui est agréable, c'est une italienne, c'est-à-dire qu'elle a ses caprices, elle n'est pas toujours conciliante, elle a ses défauts, mais elle a aussi ses qualités, donc c'est une voiture que j'adore. C'est le charme à l'italienne, c'est magnifique, moi j'adore la finition surtout sur ces autos. Quand tu as acheté cette voiture, est-ce qu'il y a eu un travail de restauration? Tu l'as acquis dans un état déjà exceptionnel, tu as fait du boulot dessus? Alors c'est un véhicule qui est d'origine française. Elle était stockée depuis plus de 10 ans dans un garage. Elle n'avait pas roulé depuis 10 ans stockée dans un garage. Donc il y a eu un long travail pour la redémarrer, aussi bien au niveau des réservoirs que des freins, que tous les liquides. Donc ensuite, elle a été remise en route. Puis petit à petit, on a refait tous les travaux. Donc aussi bien l'allumage que les freins, que la peinture. Et aujourd'hui, je m'en sers au quotidien et je me régale. Donc, alors parle-nous justement de rouler en Lancia Fulvia. Explique-nous un peu cette banane que ça te met. Ce plaisir que ça alors, procure. La Fulvia, c'est facile, c'est léger. Donc on a l'impression d'avoir une toute petite voiture. C'est nerveux, c'est un 1300, donc avec deux carburateurs, ça répond bien. C'est une boîte 5, donc on a comme une voiture moderne. C'est des freins à disque. Donc c'est vraiment une voiture qui, aujourd'hui dans la circulation, s'intègre très bien. Et lorsqu'on veut vraiment rouler un petit peu attaqué, faire plaisir, c'est une voiture qui répond, mais comme à ses plus belles années, c'est un régal. C'est quelque chose qu'on ne ressent pas avec les véhicules d'aujourd'hui. Tu peux presque mélanger donc le côté voiture moderne avec du vintage, parce que c'est vrai qu'elles sont super confortables en plus. Ah, aujourd'hui, bah, c'est une voiture. Voilà, il n'y a pas le GPS, il n'y a pas le Bluetooth, etc. Mais le charme de ces anciennes fait que rouler au quotidien avec ces voitures, c'est un plaisir. Ça nous met la banane tous les matins en partant. En tout cas, ça se voit. Voilà, merci. Merci. Bon Christophe, tu ne possèdes pas que la Lancia Fulvia, tu as d'autres modèles. Ouais. Alors, cite-nous-les. Alors moi j'aime bien la marque Renault, je suis très, très patriote.
Donc j'ai aussi une Renault 8S, donc un modèle en dessous de la Gordini qui se fait rare aujourd'hui, qui est totalement l'opposé de ce véhicule-là au niveau de la conduite. Et j'ai aussi un petit cabriolet, une Floride S. Ah, sympa ça. Ouais, pour l'été, c'est très bien. Alors, avec l'expérience que tu as sur tes trois véhicules, comment tu pourrais classifier la Lancia Fulvia? Elle a des points faibles, elle a des points forts. Compare-moi un peu justement la Lancia Fulvia aux deux autres modèles que tu possèdes. Alors, la Lancia Fulvia, le gros avantage, c'est que c'est une traction. Donc, tous les autres sont des propulsions. Lorsqu'on roule celle-ci avec ce véhicule-là dans une route de montagne, ça va droit. Ça, là où on met les roues, la voiture, elle y va. C'est vraiment un régal à conduire. Ça freine droit, la boîte, c'est comme une boîte sportive. C'est vraiment une voiture qui était en avance sur son temps et qui a quand même un tempérament sportif. Alors que les autres restent des berlines extrapolées avec quelques références sportives. La propulsion, ça reste la sportivité à l'état pur. Alors fais-nous vraiment, je veux qu'on rentre plus dans les détails, justement, ce comparatif entre traction et propulsion. Ben, disons qu'une traction est beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus facile à piloter, beaucoup plus facile même à conduire au quotidien, lorsque les conditions sont très difficiles. S'il pleut, s'il neige, sur du gras mouillé, une traction se conduit très, très naturellement. Il faut savoir aussi une chose, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas d'ABS, pas d'ESP, pas tous ces accessoires, ces gadgets qu'on a aujourd'hui. Et donc les voitures, c'était juste le pied et le volant qui dirigeaient la voiture et contrôlaient la voiture. Donc aujourd'hui, les conducteurs avec des propulsions peuvent rouler vite avec tous ces accessoires. À l'époque, ce n'était pas du tout le cas. Ouais, c'était Twisted Game, quoi. ça glissait. Bon, ce qu'on fait, on va aller la découvrir, cette petite Lancia, et je vais te laisser aux mains de notre petit Laurent. Alors le petit nouveau, enfin le grand nouveau, parce qu'il est très grand, Laurent. Et comme ça, on va rentrer un peu plus technique sur cette marque, sur cette gamme, donc la Lancia Fulvia série 3. Et puis, tu vas nous dire quelques anecdotes, quelques spécificités de ce modèle. Il y en a. Et je pense qu'on va avoir une banane à regarder ça. Ok, avec plaisir. Salut Christophe. Salut Laurent. Ça va? Très bien, merci. Bon, donc aujourd'hui, on va parler de la Lancia Fulvia de Christophe. Donc la particularité de cette petite Lancia, donc c'est son moteur 4 cylindres en V à 13 degrés. Un 4 cylindres de 1300 cm3, donc qui était très compact, avec un porte-à-faux donc placé à l'avant de la voiture, pour une motricité vraiment incroyable. Christophe, qu'est-ce que tu peux nous dire donc de cette motricité, de ce moteur qui a fait tous ses éloges. Je te confirme, Laurent, à 100%, cette implantation elle permet d'avoir une conduite vraiment avec une efficacité incroyable, aussi bien au niveau du freinage que de l'accélération. Très bien. Donc, et la boîte de vitesse. Donc là-dessus, on est sur une boîte 5 vitesses, hein, déjà à l'époque, ce qui était très rare. À l'époque, peu de voitures, effectivement, avaient cette boîte 5. Ouais. Elle a surtout une grosse particularité, c'est que c'est une boîte 5 avec une première inversée. La première en bas, donc. C'est ça. Première en bas à gauche. 2, 3, 4, 5, ce qui permet en conduite sportive de pouvoir passer des vitesses classiques beaucoup plus facilement. Donc motricité, boîte de vitesse, efficacité… 100%, et, voilà, 100%. Donc un régal à conduire. Quoi. Voilà. Je te confirme. Une petite sportive. À fond. À fond. Donc là, les amis, on est dans les années 70, là, on est dans les 70s, calandre 4 phares. Je peux vous dire que sur l'autoroute, à l'époque, quand on roulait sur la voie de gauche, qu'une voiture nous mettait les pleins phares, qu'on voyait les 4 phares, on se rangeait direct. Hein. Christophe, qu'est-ce que t'en penses? Ah, tout à fait, tout à fait. D'une part, ça éclaire très bien, et en plus, entouré de tous ces chromes, je trouve que ça lui donne un charme fou. C'est vrai que ça s'est perdu, les chromes, hein. On en voit plus, c'est l'une des dernières qui avait ça, non? Quasiment. Dans les années 75, 80, plus aucune voiture, on est passé au mode plastique. La première, ça a été la Renault 5 avec ses pare-chocs plastiques, ouais, et c'était ces années-là, c'était les dernières. Magnifique. Donc la tenue de route, on voit qu'on a bien les quatre roues bien écartées, on a un appui… Vraiment la voiture, elle a les roues aux quatre coins, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et en plus, une des particularités, c'est que ce sont des roues en 14 pouces. 14 pouces, c'est vrai. Alors qu'à l'époque, quasiment toutes les voitures étaient avec des roues beaucoup plus petites. Donc avant-gardiste, alors. Ouais. Là, en option, j'y ai monté des jantes qu'on dit Chromodora, c'est la référence, en magnésium. Donc c'était une option d'époque. Ultra légère, effectivement. Ouais. Toujours dans le but de l'efficacité. Et ça lui donne un look très, très, très… Donc là, on est sur 4 freins à disque. 4 freins à disque, donc, tout à fait. Donc, puissance de freinage. Comme une moderne. Comme une moderne. Sans ABS. C'est l'ABS, il est sous le pied. Donc, c'est le pied qui fait l'ABS. Tout à fait, tout à fait. Là, on retrouve aussi donc des chromes. Donc, tous les chromes. Des joncs, des choses qui ont tout à fait disparu. Disparu, oui, malheureusement. Donc là, on est sur la Fulvia 3.
Donc les autres avaient autant de chrome, la série 1, la série 2. Alors, la série 3 est celle qui avait le moins de chrome. Ah, d'accord. Les Syriens étaient, la calandre était chromée, le tableau de bord était un vrai bois. Beaucoup d'accessoires étaient mis pour mettre cette voiture en valeur. Qu'ils ont changé sur la Fulvia 3, qu'est-ce qui s'est passé Tout simplement le rachat de Fiat. C'est le rachat de Fiat. Fiat a voulu rationaliser les coûts, a serré la vis des budgets et automatiquement, au niveau du marketing, on a perdu beaucoup d'accessoires. Notamment le volant. Le volant. Puisqu'on avait un beau volant sur les séries 1 et 2 en bois et on se retrouve avec un volant plastique. Pour des raisons de sécurité. Il a été vendu pour des raisons de sécurité, ouais. Mais c'est surtout pour des raisons de coût. Parce que c'est un volant qui coûte beaucoup moins cher qu'un volant en bois. Donc on a une voiture avec un moteur de folie, 91 chevaux, porte-à-faux, appui, motricité, jantes 14, 4 freins à disque. Le top. Une bête de course. Le top. Moi, je propose le mieux, c'est qu'on aille l'essayer. Puis... Eh bien, écoute, je t'envoie sur Mathieu qui va aller faire un essai avec toi. Christophe, et là tu me fais un énorme plaisir de me laisser conduire cette Fulvia. Alors ça me rappelle des souvenirs. Je veux pas rentrer dans les détails, je te dis parce que c'était pas des meilleurs, parce que ça s'est mal passé avec le vendeur. Cette voiture, je l'adore. J'adore parce qu'elle est pointue. C'est un plaisir de conduire le charme à l'italienne avec la sportivité des plus grandes françaises. C'est excellent. J'aime bien chez les italiennes, c'est les finitions. Elle est magnifique. Alors, je suppose que toi, pareil, étant fan de cette voiture, t'adores l'intérieur. Ah bah, tout le charme des italiennes. Hein, on a des compteurs, un compteur très très complet avec pression d'huile, avec contour, le tout avec des fonds blancs. Donc ça ressort beaucoup. La nuit, c'est tout vert, magnifique. Des chromes, des touches de chrome. Vraiment très très joli. Un tableau de bord en bois. Bon, c'est du faux bois, attention, je précise. Oui, c'est après, elle va avec son âge. Alors. On va rentrer un peu plus dans le détail. Alors toi qui es un connaisseur quand même en automobile, aujourd'hui quelqu'un qui voudra acquérir une Lancia Fulvia, est-ce qu'il y a des détails sur lesquels il faut se méfier? Parce qu'on parle toujours donc d'un modèle, mais est-ce que voilà, on sait que c'est les voitures qui sont sujets à la corrosion. Est-ce que tu peux conseiller justement un potentiel acheteur d'une Lancia Fulvia? Alors le point négatif, comme toutes les italiennes de cette époque, effectivement comme tu l'as dit, c'est la corrosion. Ce sont des voitures qui rouillent très 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 facilement. La légende dit que même quand elles sortaient de l'usine, elles étaient déjà rouillées. En fait, c'était des Doliprane, quoi. Elles étaient solubles à l'eau. Exactement. Donc, vraiment, la corrosion, c'est le point noir de ce véhicule. Sinon, le deuxième point à vérifier aussi, l'électricité. Comme toute italienne, les masses sont des fois à vérifier, bien vérifier que tout fonctionne au niveau de l'électrique. Oh, moi là, je suis au top. Hein. J'ai vraiment l'impression de replonger dans les années 70. On n'a pas de ceinture, on est vraiment dans la liberté, c'est juste génial. Ah, le bruit, l'odeur, c'est... On va te la remettre dans tes mains parce que bon, moi, c'est pas mon véhicule, donc j'ose pas trop. Hein. Mais tu vas nous faire un petit essai sympa justement sur notre petite route bien sympathique, la nouvelle du Passion Autosport du Var. Avec plaisir. De semaine, donc on tirait au sort parmi ceux qui ont participé à ce jeu avec notre invité, donc il va mettre le doigt par pur hasard. Laurent, tu vas faire défiler. J'ai le doigt innocent. Le doigt innocent, mais c'est Christophe qui va mettre le doigt sur un nom au moment du défilement. Bah en fait, c'est un peu compliqué, mais on va faire défiler tous les gens qui ont joué et puis au pif, ça va tomber. Allez, attention, 1, 2, 3, là. Alors,
c'est Laurent Lenormand qui est le gagnant de cette veste Peugeot Sport. Donc bravo. Laurent Lenormand, bravo Laurent. On t'invite à nous contacter et il te sera remis donc cette superbe veste Peugeot Sport. Alors deux options s'offrent à nous, comme on a dit avec François et Laurent. Tu pourras venir sur un tournage, on te la remettra en main propre ou alors on te l'enverra par colis Simo. Voilà, merci La Poste. Hein, voilà, La Poste. Donc en tout cas, ça a été un très grand plaisir de recevoir Christophe dans Passion Autosport du Var. Nouvelle saison. Nouveaux locaux, nouveau décor. Tu as ouvert le bal et avec une petite italienne magnifique. Laurent, ben, on va être amené à le voir plus souvent, hein, le grand Laurent. Le grand Laurent. On va sortir de sa grotte. Alors on va juste faire une petite. Donc déjà te remercier de nous avoir présenté cette superbe Lancia. C'était un plaisir. Et donc petite anecdote, c'est que ben, cette Lancia, malheureusement, tu es obligé de t'en séparer pour un autre projet. Pour un autre projet. Tu la vends à contre-cœur, on en a parlé hors caméra. Je sais, ça t'as le petit pincement, mais bon, vous pouvez la retrouver donc sur Le Bon Coin, cette belle Fulvia. Et moi, j'aurais bien envie de signer, mais bon, je crois que le banquier va pas être content. Monsieur mon banquier, si tu me vois. Bon, en tout cas, merci d'avoir suivi ce reportage dans Passion Autosport du Var. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, mon Lolo. Ciao, merci. Ciao. À plus. Ciao, ciao.